soleil si grand. Perdu dans la mer, comme un poids, comme une larme, bien loin de l'hiver et du temps. L'île bleue, tu le verras bientôt. L'île bleue, entre le ciel et l'eau. En 1865, la guerre de sécession touche à sa fin. L'ingénieur Cyrus Smith, son domestique Nab, le journaliste Gédéon Spilett, le quartier-maître Bonaventure Pencroff et son fils adoptif Harbert Brown se sont évadés à bord d'un ballon. Entraînés pendant des jours par un terrible ouragan, ils ont été jetés sur une île déserte située à des milliers de milles de toute terre habitée. À force de courage et d'ingéniosité, les naufragés dépourvus de tout ont réussi à survivre. Grâce aux connaissances techniques de Cyrus Smith, ils sont parvenus à fabriquer du feu, puis du fer, à partir d'un filon découvert par l'ingénieur. Possédant maintenant des outils, des armes primitives, ayant appris à chasser, à pêcher, à reconnaître les végétaux comestibles, ils connaissent presque le confort dans la grotte dont ils ont fait leur demeure. Mais si Pencroff, ainsi que Top, Nab et Harbert se laissent aller à l'insouciance, plusieurs questions demeurées sans réponse tracassent Smith et Spilett. Comment expliquer le sauvetage de Smith après qu'il soit tombé d'un ballon dans une mer déchaînée à plusieurs milles de la côte? Qui sont d'autre part ces points lumineux que l'on voit scintiller au sommet d'une falaise? Quelle est la cause de cette foudre qui se déchaîne lorsqu'on veut s'en approcher, formant un infranchissable rempart de feu? Parti à la chasse, Harbert a fait une inquiétante rencontre qui pourrait apporter une réponse à ces questions. Inquiets, ses amis partent à sa recherche. Mais c'est en vain qu'ils fouillent l'île. Harbert a disparu. Vous croyez qu'Harbert est mort, n'est-ce pas, monsieur Spilett? J'ai dit simplement que nous devrions rentrer à la grotte. Voilà 3 jours que vous n'avez pas mangé ni dormi. Ça fait 5 jours entiers qu'Harbert a disparu. Je le retrouverai. Je le retrouverai, moi ou vivant, mais je me jure de le faire. Et j'irai jusqu'au bout de mes recherches. Votre projet est une folie, monsieur Smith. Tu l'as déjà dit, Nab. Mais je pense que c'est la chose la plus raisonnable que je puisse faire. Vous savez très bien que je ne parle pas de votre idée d'aller explorer le plateau derrière les objets brillants. Je parle du moyen que vous voulez employer, c'est d'une imprudence folle. Je n'en ai pas trouvé d'autre. J'espère que monsieur Spilett vous fera entendre raison. Tu m'as promis le silence, Nab. Vous voyez bien que c'est dangereux. Sinon, vous auriez prévenu les autres.
Mais quand vous partirez, vous serez bien obligé de dire ce que vous avez l'intention de faire et ils vous en empêcheront. Oh, pas du tout. Je trouverai un prétexte pour partir seul et ne pas dire où je vais. Eh bien, moi, j'irai avec vous. Je te l'interdis. Pour la première fois de ma vie, je vous désobéirai, monsieur. Je te l'interdis. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Mangez donc un morceau, Pencroff. Ah, bon. Son père me l'a confié pour l'emmener à San Francisco. Et le voilà mort, à des milliers de milles de chez nous. Vous n'avez aucune raison d'affirmer qu'Harbert est mort. Erreur, Monsieur Smith. Harbert est manquant depuis plus d'une semaine. Il a dû être blessé ou encore tué à un autre endroit que là où était la flèche. Vous voulez peut-être me faire quoi, je ne sais quel mystère, allons donc. Retrouvons son cadavre et donnons-lui une sépulture. Pencroff, il n'y a aucune certitude. Vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites, sinon vous seriez venu avec nous ce matin. Tandis que vous êtes resté à la forge. Je m'excuse, Monsieur Smith. Le travail à la forge, c'est important pour nous tous. Vous croyez sérieusement que Harbert pourrait être en vie quelque part? Plus le temps passe. Mais je suis certain d'une chose. Top n'a jamais perdu sa trace. Il n'y avait plus de piste, simplement. Couchez, Top, couchez. Allez, couchez. Cherche. Essaie de te rappeler. C'est que je me souviens de plus rien du tout. Ça ne vous rappelle rien, messieurs? Un homme tombant d'un ballon et qui ne s'en souvient plus? On m'a bien parlé des marins qui perdaient la mémoire après un coup sur la tête. Comment ça s'appelle? Amnésie. Mais Harbert n'est pas blessé, excepté cette égratignure à la main. Et il y a ce cube. Certainement un alliage. Pourquoi Top en a-t-il peur? Saurons-nous jamais d'où vient cet objet? Ce mystérieux objet, quel pays ténébreux et secret l'a fabriqué? Certaines tribus indiennes pensent que leurs ancêtres étaient de vrais monstres avec des ailes au dos qui venaient du fond des étoiles en apportant ces choses. Étrange, n'est-ce pas? Quelle sottise! Pas tant que cela, Pencroff. Les archéologues ont découvert ces objets en creusant les collines de la Nouvelle-Angleterre. Et des savants sérieux pensent que de telles créatures peuvent encore vivre en des régions inexplorées ou désertes de notre planète. L'île où nous sommes, entre autres. Bonne nuit, messieurs. Vous croyez que c'est possible, Monsieur Smith? Bon. Dans notre situation, une hypothèse en vaut bien une autre. Qu'est-ce que vous allez en faire, Monsieur Smith? Le cacher loin de Top. Autrement, nous ne fermerons pas l'œil de la nuit. J'ajoute, messieurs, il n'est pas impossible que le propriétaire vienne le récupérer.
Mais enfin, monsieur, puisque Harbert est finalement revenu sain et sauf, pourquoi ne pas renoncer à ce projet? Précisément parce qu'il est revenu sain et sauf et que ce retour est aussi inexplicable que sa disparition. Vous avez dit vous-même que l'idée d'amnésie n'était pas à rejeter. Et vous avez dit aussi que rien ne nous permettait, en bonne logique scientifique, et ce sont vos propres paroles. Je sais, mais je sais aussi qu'une présence humaine, aussi improbable, aussi inimaginable soit-elle, est la plus simple explication pour tout ce qui peut nous arriver d'inexplicable. Comprends-moi, ce plateau, nous ne l'avons pas encore exploré. Tu permettras, pour une fois, que mon comportement soit illogique et anti-scientifique, mais je n'aurai l'esprit en repos que lorsque je l'aurai visité, ce plateau. Attention, voici Monsieur Spilett. Vite! Quelque chose, ne reste pas là les bras ballants. Tiens. Vous l'avez pris au piège, mais vous devenez drôlement habile. Top n'est pas avec vous? Non, il chasse pour son propre compte. Tout à coup, il s'est arrêté, il a flairé le veau. Et il est parti au petit trot sans même daigner se retourner quand je l'ai sifflé. Bah, nous n'avons jamais rencontré de grands fauves dans cette île. Et Top sait se garder des serpents beaucoup mieux que nous. Bon, je monte ça là-haut, hein. Nautilus, mon fier bateau, disait le capitaine Nemo, si un soir je vais jusqu'à terre, ce sera le temps d'un éclair. Le rêve est toujours amer, on dit même un fardeau. Qu'est-ce qui se passe? Une bouteille. Naufragé, île Tabor, 152 degrés de longitude ouest, 36 de latitude sud. Cyrus, êtes-vous sûr de la position de notre île? À quelques minutes près, dans un sens ou l'autre. J'ai refait mes mesures plusieurs fois et j'ai calculé l'erreur relative et l'erreur absolue. Donc, nous ne sommes qu'à 50 ou 60 milles de Tabor, c'est ça? C'est une bonne distance à traverser. La pirogue est presque finie. Est-ce que vous ne m'avez pas dit
qu'avec ce genre de bateau, les papous faisaient des traversées de plus de 100 milles d'une île à l'autre. Oui, mais les papous sont des sauvages. Avec la pirogue, nous ferons le tour de l'île en point, c'est tout. Si seulement j'avais de quoi faire des voiles, on pourra aborder l'île Tabor dans 10 heures. Voilà. Mais l'homme qui a jeté cette bouteille à la mer peut être mort depuis longtemps. Cette bouteille n'est pas dans l'eau depuis plus de 3 mois. Quand savez-vous? Excuse-moi. Parce que les bernacles et les dagues qui s'y accrochent poussent comme le reste. En un an, à cette cadence, leur poids aurait entraîné la bouteille au fond. C'est vrai. Le papier n'est ni humide ni moisi. Il y a donc une bonne chance que l'homme soit encore en vie. Dire qu'il y a peut-être un naufragé à terre à quelques milles. Je vais retourner travailler sur le bateau. Allez, 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 vite, 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 vite. Ça va. Attention. Appelez-moi quand la tambouille sera prête. Pencroff, attendez une minute. Hein? Mon cher Pencroff, les idées noires que cette bouteille nous a apportées ne nous feront pas oublier une bonne occasion d'égayer la vie de notre petite colonie. Attention, messieurs. Happy birthday to you, happy birthday, cher Pencroff, happy birthday to you. C'est vrai, j'ai mes 53 ans aujourd'hui. Sur cette île déserte, on oublie complètement la vie normale. C'est toi qui leur as dit, n'est-ce pas? Merci à tous à la fois. Et ça n'est pas tout. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, le cadeau. Cher Pencroff, tous ici présents, nous vous offrons quoi? Une magnifique pipe. Une pipe? Oui! Je n'ai pas de tabac, dites donc. Mais ce n'est qu'un commencement. C'est une des plaisanteries de Spilett. Vous n'arriverez pas à me faire râler aujourd'hui. Tu vas un peu trop vite, Pencroff. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez. Du tabac, oui, on dit du tabac, oui. Harbert a trouvé la plante et M. Smith l'a préparée. J'ai fabriqué la blague et M. Spilett la pipe. Et moi qui ne soupçonnais rien. Cette maison est pleine de secrets, Pencroff. Mais la pipe, j'ai bien cassé la pipe. Oh, vous, Pencroff, ne vous effondrez pas, mon Dieu. Ah, j'ai pété la pipe. Elle se casse si facilement, j'en ai fait plusieurs. Ah, bravo! Cette pipe est... Tiens, bourre-la, Harbert. Ah, oh, c'est chic. Je... Vous savez que fumer du tabac empêche d'attraper le scorbut? Tiens, Top, il apporte un cadeau. Top! Top, bon chien, bonne. Oh. Qu'est-ce que c'est?
On dirait bien un fragment de l'enveloppe de notre vieux ballon. C'est exactement cela. On va peut-être pouvoir secourir ce pauvre naufragé. Qui a dit qu'il n'y a pas de providence? J'aimerais la voir, cette providence. Conduis-nous, Tom. Nautilus, mon fier bateau, disait le capitaine Nemo. Si un soir je vais jusqu'à terre, ce sera le temps d'un éclair. Le rêve est toujours amer et l'amour un fardeau. Et l'amour un fardeau. Qu'il y a encore beaucoup d'autres couplets? 70 ou 80 d'un bout à l'autre. Nous avons tout le temps devant nous. Tout ça parce que le capitaine Nemo a le droit de descendre à terre une nuit, une fois, tous les 7 ans. Durant cette nuit, s'il trouve une jeune fille qui veut l'épouser, son pacte avec le diable est rompu et son âme est sauvée. Mais c'est l'histoire du vaisseau fantôme. Non et non, le Nautilus existe, il est réel. Et c'est le diable lui-même qui le gouverne, car il n'a ni voile ni chaudière. Au Canada, un harponneur m'a appris cette chanson qui avait été écrite par un marin comme lui-même. Et ce gars-là avait été prisonnier du capitaine Nemo à bord du Nautilus pendant... je ne sais pas combien de temps. Je crois que tu te moques de nous, Pencroff. Et il racontait des choses très étranges, des machines qui tournaient. Et d'un salon, comme chez le président à Washington, et dans le milieu, un orgue, comme dans une église. Un orgue? Ouais. Et quand il coulait un bateau, le capitaine Nemo venait s'y asseoir et jouer une sinistre musique à vous glacer les sang. Souvent, par la fenêtre, on voyait le navire qui coulait, les requins qui venaient du fond pour dévorer les pauvres matelots. Ah, un navire sous l'eau, de cette dimension, mais ça ne peut pas exister. Mais bien sûr qu'il existe, et ce gars, le prisonnier, il est allé avec Nemo jusque sous la glace du pôle sud, et il a lutté contre les crabes géants et des pieuvres plus grands que des paquebots. Et la preuve, il y avait un savant français et son serviteur aussi avec lui. Ouais, au fond, cette histoire est captivante. Nous demanderons à M. Smith ce qu'il en pense, Pencroff. Non, les savants ne connaissent pas tout. Ils disent que ça n'existe pas, les baleines blanches. Et moi, j'en ai vu une de mes yeux. Ah. Oui, vue de mes yeux. Donc, la balade du capitaine Nemo, c'est la voix du bon Dieu. Pourquoi, au lieu d'affronter le territoire interdit, ne serions-nous pas allés avec eux à l'île Tabor? Parce que la pirogue est trop petite. Et puis, nous ne pouvons pas laisser tout ici à l'abandon. D'ailleurs, qui te parle d'affronter quoi que ce soit à toi? Personne. Personne? Top, tu restes ici, tu ne bouges pas, hein, compris? Vous restez ici tous les deux, vous ne bougez pas tous les deux, compris? Monsieur Smith, attendez-moi. Mais quand as-tu fabriqué cet appareil? En même temps que le vôtre. Presque sous votre nez, monsieur, si vous voulez bien me passer l'expression.
Il y a probablement des années que personne n'y est passé. Je ne vois aucune piste ni sentier. Il reprend là-bas, vous ne croyez pas? Derrière ce grand arbre. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu des branches craquer. Je n'ai rien entendu. Qu'en pensez-vous, monsieur Spilett? Il faut voir. Commence, écoutez. Robert a raison. Il y a quelqu'un là? Nous sommes des amis. Nous venons pour vous secourir. Nous avons la bouteille que vous avez jetée à la mer. Regardez une date. Mars, le 18 1857. Voici une autre date. Capitaine Harry Grant, novembre le 23 1849. Si ce pauvre type est encore en vie, il aura passé 16 années absolument seul sur cette île. J'ai bien peur qu'il ne soit plus de ce monde. Une belle cloche. Elle vient du Britannia. C'est du bronze. Ça peut peut-être servir. Voyons s'il n'y a pas autre chose d'utilisable et ensuite partons. Mais nous ne pouvons pas partir sans nous assurer que le capitaine Grant est bien mort. Accordons-nous jusqu'à la fin du jour. Et si nous ne pouvons mettre la main sur lui, vers le soir, nous partirons. Entendu. Mais nous prendrons ces machins et cette vieille carabine quand nous reviendrons. Regardez, le chemin reprend un peu plus loin. Thank you.
marche. Tu ne m'effraies pas, tonnerre ! Frappe ! Frappe ! Nous sommes invulnérables ! Bon, en route. Nous n'avons que peu de temps devant nous pour embarquer avant la tombée de la nuit. Dommage, j'aurais bien fait une petite sieste après ce bon déjeuner. Hé, hey, qu'est-ce que tu as fait de tes flèches, Harbert? Je pense qu'elles sont restées près de la lagune. Benet. Harbert, il ne faut pas se séparer. J'en ai pour une minute. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Le naufragé, il s'est sauvé là et j'ai eu peur. Capitaine Grant! Capitaine Grant! C'est clair, cette brute a voulu manger nos restes. Des années sur cette île à batailler pour survivre, ça a fait de lui une bête sauvage. Oui, je n'aimerais pas l'avoir pour ennemi. On dirait que la tempête est passée, monsieur. On dirait surtout que l'ennemi a interrompu son bombardement. Est-ce que vous pensez, monsieur, qu'il y a des personnes cachées dans ces rochers qui nous lancent la foudre comme on décoche une flèche ou comme on tire une balle? Avec une différence. Nos assaillants sont quelque part sous la terre. C'est ici que l'objet luisant était, à la verticale de cette crevasse. Il n'a pu disparaître que d'une façon. À l'intérieur du sol, ici. Mais monsieur, c'est impossible!
Il n'y a que Dieu qui puisse lancer la foudre là où il le veut. Il n'y a que Dieu. Selon les connaissances que possède la science d'aujourd'hui, aucun être humain ne saurait inventer un tel dispositif. Et cependant, il n'y a aucune autre explication. D'un être humain. Monsieur, je crois que je vois bouger quelque chose. Où ça? Bien la plus simple explication. C'est la lèpre? Non, je ne crois pas. Il est vivant. Mais son cœur bat très faiblement. Est-ce que nous l'emportons avec nous, monsieur? Oui. C'est une chance qu'il y ait des trous dans le toit, les lianes coulisseront aisément. Vite, sinon ça va être bien trop cuit. Pourvu que ce bon capitaine Grant ne soit pas un gourmet, comme nous autres. Oh. Il est toujours là. Il est affamé, il viendra bien. Pas de faux pas. Soyez naturel. Pencroff, s'il vous plaît. Nous le tenons.
Capitaine, nous sommes des amis. Nous allons vous soigner. Harbert, aide-nous. Dans un monde à l'envers. Donne-moi la main, on ne peut pas nous la prendre. J'en connais déjà.